Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais découvrir le nouveau mode contagion de l'événement Halloween sur Call of Duty Cold War Zombie. Alors tout d'abord, je vous présente le pack de Halloween, donc le pack tourment qui est disponible pour un laps de temps réduit. Hein. Je pense que c'est... Allez, ah mais il est marqué. Non, il n'est pas marqué. Je pense que c'est allez, 2 semaines, je pense, et après vous ne pourrez plus le réaliser. Donc vous pouvez débloquer une arme gratuite et il y a plusieurs... petits équipements à gagner gratuitement. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, c'est totalement gratuit pendant l'événement d'Halloween sur Call of Duty. Alors j'ai déjà présenté les nouveautés qu'il y avait sur les cartes normales de Call of Duty Cold War Zombie pour l'event d'Halloween. Et là, je vais vous montrer Contagion à Halloween et je vais le découvrir par moi-même parce que en fait, je ne l'ai pas encore découvert. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Alors déjà... Ils disent que, dans les renseignements, ils disent que les légions des morts-vivants sont encore plus féroces à Halloween. Donc on aura des zombies sûrement plus féroces. Les joueurs doivent survivre dans une région pendant 10 minutes avant de pouvoir s'exfiltrer. Donc si je comprends bien, on ne peut pas s'exfiltrer après 2 minutes. On fait la quête principale, on s'exfiltre, ça ne marche pas. Il faudra attendre minimum 10 minutes. Alors les lieux, ben, c'est Ruka, Duga, Golova, Zo, Alpine, Collateral et Armada. Il n'y a pas... Il manque des lieux. Il manque Armada, je crois. Ah bah non, et il manque quoi alors? Alpine, sanatorium, sanatorium je crois il manque. On va vérifier. Ah oui, c'est sanatorium, il manque juste une seule map. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en mode Halloween. Ok, pourquoi pas, ils ont peut-être galéré à le faire ou... Peut-être déjà la map elle est sombre, donc pas besoin de le faire. Mais on ne pourra pas aller dans la map sanatorium sur ce mode de jeu. Alors est-ce qu'on peut faire le secret sans aller dans la map sanatorium? Le deuxième secret, il n'est pas faisable. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à mon avis, ils l'ont peut-être enlevé pour pas coder le jeu avec le secret. Mais en tous les cas, je suis obligé de jouer en public, là. Je vais regarder si je peux pas le faire en privé. Contagion Halloween. Ouais, parfait. Je vais le faire en privé. Et mais en tous les cas... qu'est-ce que je disais, moi? Ouais, en tous les cas, il y a toutes les autres maps. Donc voilà, et je pense qu'on peut faire le premier secret avec le Légion, le Légionnaire, donc le boss Légion. Donc je pense que le premier secret est faisable. Alors déjà, il y a une petite nouveauté ici, à ce que je vois, c'est qu'on peut voter pour la map. Donc soit Collateral, soit Duga. Ben tu sais quoi, je vais voter pour Duga, parce que Collateral, je trouve que c'est une map assez morte. Ouais, non, tu sais quoi, je vais prendre Collateral, même si elle est un peu morte, elle est plus petite. Duga, elle est vraiment grande. Donc, je vais prendre Collateral, qui est un peu plus petite, à mon avis, à mon ressenti. Mais voilà, donc Collateral, c'est une map dans le désert, de toute façon, vous allez voir. Donc, c'est parti, let's go. Voilà, vous voyez un peu la map Collateral, si vous ne la connaissez pas. C'est une map qui est sortie, je pense, si je ne me trompe pas, à la saison 4 de Cold War, voire peut-être la saison 5 max. Ah oui, petite information, si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait à propos du mode zombie Halloween de Call of Duty Cold War, ben, je la mettrai en description, en commentaire épinglé, si jamais ça vous intéresse. Alors, c'est parti. Déjà, nous avons une musique d'entrée d'Halloween qui est pas mal. Un peu comme en zombie, les maps normales. Nous commençons avec une petite musique d'Halloween. Donc là, c'est un peu pareil. Ok, donc voyons voir. Normalement, en zombie normal, il y a des zombies avec des têtes de citrouille. Donc, je suppose que dans ce mode, ça doit être pareil. Ici, on peut voir que je dois survivre pendant 10 minutes. Donc, j'ai le compteur à gauche. Effectivement, les zombies ont des têtes d'Halloween. Donc, comme en zombie normal. Ah, même les chiens ont des têtes aussi. Alors, c'est possible aussi qu'il y a des colis... Colis effrayants. Alors, c'est des colis hein, comme des largages qui vous donnent des trucs spéciaux. Mais faudrait déjà que je la trouve. Hein, parce que comme la map est très très grande, je ne sais pas s'ils en ont mis plusieurs. Mais on verra bien si j'en trouve une ou pas. Alors, regardez, une nouveauté aussi, c'est les têtes de citrouille. Donc, quand vous... Oh là. Quand vous tuez un zombie, que vous le cutez ou que vous lui tirez dessus, vous pouvez obtenir une tête de citrouille. Donc, comme j'ai eu. Et en fait, regardez, là, j'ai un calice de bronze, donc c'est une petite coupe, qui améliore mon arme de niveau 1. Après, elle peut me donner une amélioration de niveau 2 ou de niveau 3. Ici, nous avons un outil d'éther, donc ça permet d'améliorer la rareté de mon arme. Donc regardez, elle est rouge, là, et quand je vais récupérer ça, ben, elle va passer en rareté verte. Donc vous pouvez monter vos armes de niveau rareté
en légendaire, en épique, etc., etc. Et vous pouvez pack à puncher votre arme gratuitement si bien sûr le zombie que vous tuez laisse tomber sa citrouille. La citrouille aussi peut vous donner des armes, spéciales comme le pistolet laser, la DCD, je les ai déjà eu en zombie normal, donc c'est sûr et certain. Même le coffre, le colis effrayant peut vous donner tout ça, donc c'est quand même assez cool. Ça peut aussi vous donner un gilet pare-balles de niveau 2, je sais pas si un niveau 3, je sais qu'il y a des niveaux 1, niveau 2, et je sais pas s'ils peuvent vous donner un gilet pare-balles de niveau 3. Mais c'est possible, donc je suppose qu'il y a un niveau 2, il y a sûrement un niveau 3, mais ça doit être très très rare parce que je ne suis jamais tombé dessus. Alors là, il y a une anomalie. Donc ça, c'est la quête principale apparemment. Donc je peux déjà faire la quête principale. Quoi ? Balise. Ah non, je ne peux pas faire la quête principale. Attends, mais je comprends pas là. Il y a 3 anomalies. Donc ça veut dire que... Mais ça, c'est les trucs pour qu'on puisse changer de map, en fait. Et là, il est marqué 1 minute 42. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 minute 43? Je ne comprends pas. Je vais aller voir une autre anomalie pour voir. Alors ici, dans ce mode de jeu, nous avons une musique d'Halloween constante. En fait, elle ne s'arrête pas. Ce que je viens de remarquer. Alors ici, l'anomalie, qu'est-ce que c'est? Ok, en fait, j'ai 1 minute 40 pour... pour révéler les anomalies. J'ai l'impression... Oh! Attends, j'ai l'impression... que c'est une nouvelle quête principale. Je ne sais pas, je comprends pas. J'ai jamais eu cette quête-là. Donc là, je vais faire la 3e anomalie pour voir, mais... Peut-être que c'est 3 anomalies juste pour nous donner l'opportunité de voyager entre maps, de changer de map. À trois bases différentes apparemment. Ça doit être ça. C'est pas un nouveau défi, c'est pas une quête principale. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de quête principale sur cette map. Voilà, la quête principale c'est juste de survivre 10 minutes. Alors ça c'est marrant, je suis sûr de ne pas avoir pris la bombe. Ah d'accord. En fait les manches passent toutes seules. D'accord, d'accord. Ah mais c'est plutôt pas mal en fait. Ça c'est intéressant. Ok, donc là, on va attendre 1 minute 30 pour voir si je peux prendre la balise, mais normalement, je ne peux pas. Donc, chaque balise ben, vous donne une table de craft, un pack à punch, une Wonder Fuse et un arsenal pour améliorer son blindage. Alors là-bas, il y a un zombie élite. Regardez-moi ça, il a une tête de citrouille. Oh, franchement, ça lui va trop bien. Ça lui va beaucoup trop bien, c'est trop stylé. Ok, une nouvelle tête de citrouille, qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, c'est vrai, je vous avais pas dit. Mais on peut avoir des mods de munitions carrément dans les citrouilles et dans les coffres aussi. Donc franchement, c'est assez balèze. Hein. On peut vite fait monter, regardez, j'ai un calice en argent. Donc là, je suis niveau 2, je suis passé niveau 2. Là, regardez, j'ai encore 4 têtes de citrouille à ouvrir. Oh là 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 là, c'est le feu ça. Ah oui, parfois, les têtes de citrouille se transforment en zombie imitateur, comme vous voyez. Regardez-moi ça, comment ça lui va trop bien, lui aussi. Trop stylé. Et là, regardez, ben, j'ai encore une clé d'amélioration de niveau de rareté. J'ai un renseignement. Un gilet pare-balles de niveau 2, juste ici. Voilà. What the fuck, man? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est ça. Non, on a 1 minute 30 pour partir de la map. Mais là, j'ai activé les 3 trucs. Les 3 balises, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux plus partir? C'est quoi cette histoire, wesh? J'ai pas trop bien compris, là. Alors, cryogénisation, non, ça m'intéresse pas. Du paraban, une petite tête de citrouille. Allez, qui se transforme en zombie mutateur, c'est parti. Ah, peut-être qu'en fait, les balises, elles ne servent pas à se téléporter. Mais elles ne servent juste qu'à... qu'à activer les packs à punch et à avoir la possibilité d'améliorer nos armes, etc. Et on en a 3. C'est pour ça qu'ils en donnent 3, parce qu'en fait, elle ne reste que 2 minutes sur la map. Ok. Tout ça devient de plus en plus clair, les amis. Alors, je vais visiter un peu la map pour voir si je trouve une caisse. Regardez-moi ce zombie massacreur avec sa tête de citrouille. Trop stylé. Trop stylax. Ah, il y a quand même des petits coffres. Il y a quand même les petits coffres qu'on peut récupérer.
juste ici. Donc là, je suis un peu en galère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de spécialiste. Je vais prendre garde frénétique. C'est beaucoup mieux pour ce mode de jeu, je trouve. Qu'est-ce que la caisse m'a donné? Rien de spécial, comme d'hab, quoi. Un petit singe, c'est pas mal. Ok, donc là, je suis déjà manche 4, en vrai, hein. Donc, l'efficacité, enfin, la difficulté est augmentée dans ce mode de jeu, ben, parce que les manches passent très, très vite. Donc là, je vais être manche 4. Peut-être que je vais passer manche 5, voire peut-être 6. Dans une seule partie. Alors là, j'ai la machine Wonderfuse. Donc je peux acheter des atouts. C'est pas mal parce qu'en fait, j'en avais acheté aucun. On va en acheter. Hop, 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 on va tout acheter, je crois. Ah, j'ai économisé tellement de points en ne pas améliorant mes armes, ni la rareté pour mes matériaux et tout. Grâce au mode Halloween, que ben, j'ai pu garder toute ma thune pour les atouts. Alors je pense que c'est possible que ça vous donne des atouts aussi, hein, les citrouilles, mais ça ne m'est jamais arrivé, donc voilà, c'est possible que ça n'arrive pas non plus. Pourquoi je vois un truc à travers? Ah oui, parce que j'ai perception. Maintenant, quand vous avez perception, vous pouvez voir les coffres à travers les murs, donc ça c'est quand même super cheaté, super efficace et utile en mode contagion. C'est très très bien. Regardez-moi. On voit même... C'est quoi ça? On voit même... Attends, c'est quoi ça? Je suis pas sûr, je vais pas dire de la merde. Ah ouais, non, mais on voit les cristaux. Je croyais que c'était un singe, en fait, vu de loin. Non, on voit vraiment tout à l'extérieur, hein. Même si ça aurait été un singe, je pense que je l'aurais vu aussi. Ok, il y a l'armure ici. Je suppose que vous pouvez aussi trouver le pack-a-punch dans la map, hein. C'est juste que je ne connais pas son emplacement exact. Regardez-moi ces zombies. Citrouille, là. Ces tempêtes zombies citrouille, franchement c'est trop classe. Je les kiffe. Je les kiffe, mais ils font très très mal. Hein. Oh là là, mais il y a des zombies blindés qui me courent après. Ah, un petit tête de mort, ça ce serait plutôt bien. Allez, boum, on défonce tout le monde. Ok. Alors lui, c'est comment qu'il s'appelle? Ah oui, le disciple. Montre-moi un peu ta tête de citrouille là. Montre-moi ta tête de citrouille. Ah ouais. Ah ouais. Plutôt pas mal. Allez, dans 5 secondes, logiquement, je pourrais m'extrader. M'exfiltrer. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis extrader. Donc voilà, là je suis manche 6. Et là maintenant, je peux m'exfiltrer. Rendez-vous au point d'exfiltration. Il me reste 2 minutes. Alors ce que je trouve dommage, c'est que là je vais pouvoir m'exfiltrer. Mais le problème, c'est si que je m'exfiltre, ça va mettre fin à la partie. Et ça, c'est un peu un problème, je trouve. J'aurais bien aimé qu'on puisse continuer la partie, en fait. Comme ça, on passe dans une autre map. Et boum, ça continue, la rapidité des manches et tout. Ça pourrait rendre complexe le jeu. Voilà, le mode de jeu, ça pourrait donner un petit plus. Moi, j'aurais été pour, hein. Mais bon, après, ils ont pas voulu, ils ont pas codé le jeu comme ça. C'est eux qui voient. Après, je dis ça, mais ça se tombe. Quand j'aurais protégé... Ah non, parce que c'est exfiltré, c'est sûr et certain. Bon. On va s'exfiltrer. On va essayer du moins parce que ils m'ont l'air quand même assez énervés, les zombies. Faut que j'en tue encore 18. J'ai pas ma carte frénétique. J'ai presque plus de bouclier. J'ai un mégaton carrément. Ah ouais, mais carrément. Attends, tu vas me donner un... Ah oui, mais carrément. Comme si j'avais pas assez de zombies. LOL. Oh là là, il m'a tué. On va se réanimer vite, vite, vite. Oh, regardez, j'ai eu un gilet pare-balles niveau 3. Donc, effectivement, on peut bien avoir des gilets pare-balles niveau 3. C'est bon à savoir, parce que je savais pas. Ah, on va mettre un petit singe. Ça pourrait peut-être m'aider. Je pense pas qu'ils vont être attirés. Ah si, pas les zombies, quoi, du moins. Pas les mégatons. Ouais, là j'ai un gros problème là. Mon arme n'est pas assez efficace. J'aurais bien aimé une arme niveau 3. Il me reste 30 secondes pour les tuer. Il m'en reste 3 à tuer. Il y a moyen, mais bon. Ah, j'ai un calice d'or. Voilà, niveau 3. Voilà, parfait. Ça m'aura sauvé ça. Voilà. J'ai tué tout le monde, parfait.
et regarder un kit d'auto-réanimation parfait. Donc on peut bien avoir des calices d'or, des ARCXD, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir. Hop, on s'exfiltre, on a réussi. Dure journée de travail, mais on a réussi. Donc voilà, enfin, c'est un peu dommage que j'ai pas pu continuer la partie, je m'amusais bien. Mais bon, voilà. En tous les cas, si vous voulez tester ce mode, n'hésitez pas à le tester parce que c'est un mode temporaire. À la fin, on a une petite musique d'Halloween, plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à tester parce que je pense que ça durera pendant 2-3 semaines maximum. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, c'est le moment. Enfin bref, je pense que je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Surcool Mec et ciao. Peace.